C'est tout de suite, j'espère pour moi en tout cas, et nous nous retrouvons enfin pour une nouvelle vidéo. Alors on se retrouve sur Call of Duty 4 PC et MW2 PC. Alors on se retrouve pour une nouvelle série que je vais lancer, Call of Duty PC et ses modes. Alors on se retrouve sur Call of Duty Modern Warfare avec le N40A3 sur en mêlée générale. Alors donc cette série est dédiée au nouveau mode ou au mode PC différent de la Xbox 360, de la PS3 et de la Wii tout simplement. Alors dans cette vidéo nous allons aborder deux modes, le mode Sniper Only Sniper sur Code 4 PC et le mode sur un gameplay sur MW2, le mode e-snipe ou i-snipe tout simplement. Alors je compte envoyer cette vidéo à PlayGeek TV Only Code, Code Safe et Code QG en espérant être pris sur quelques chaînes communautaires pour agrandir mon public tout simplement. Donc voilà, je vous remercie tous si vous me plaudez. Alors je vais un petit peu décrire les modes. Alors le premier mode Sniper Only, alors quand vous rentrez dans le serveur vous devez choisir votre classe hein. Vous devrez d'abord créer une classe avec le M43 ou le R700, à vous de choisir votre sniper que vous préférez tout simplement. Alors là vous voyez que l'arme est un peu plus reculée que sur les autres consoles. Alors ça s'appelle la FOV, le Field of View, que vous pouvez configurer dans la console. Alors la console on ouvre avec le petit 2, je précise pour les gamers PC, et vous entrerez la commande que je vous mettrai dans la description de cette vidéo pour changer la FOV et pour avoir un snipe un peu plus stylé, moi je trouve personnellement. Après chacun trouve ce qu'il veut de stylé tout simplement. Voilà, ensuite je vous mettrai dans la description plein de choses. Donc je vais vous mettre dans la description les commandes pour augmenter vos FPS, la commande pour changer le Field of View, et aussi je vous mettrai l'IP des serveurs pour y jouer tout simplement. C'est assez logique hein, je peux vous montrer des modes et vous pouvez pas y jouer. Voilà. Ensuite, alors dans ce mode où nous avons le M43 ou le R700, vous avez le droit de quickscoper, de hardscoper, de noscoper, tout ce que vous voulez au sniper. Si vous mettez le coup de couteau ou jouez avec une autre arme que le sniper, vous faites bannir ou exclure pendant quelques minutes. Alors faites attention de ne pas cuter sans faire exprès. Voilà. Ensuite, le mode est principalement en hardcore pour faire le moins de hitmarker possible avec notre sniper, ce qui est assez logique. Alors ces gameplays viennent du mode studio. Alors un mode studio sur Code 4, un mode studio sur MW2, vous allez me dire. Eh bien oui, il y a des modes studio. Alors pour filmer, je vais un petit peu vous expliquer pour les gamers PC, hein, je m'adresse principalement à eux, donc je m'excuse aux autres. Alors pour filmer, vous avez juste à mettre la console, ensuite faire slash record, et pour arrêter de filmer, c'est stop record, tout simplement. Voilà, alors je finis deuxième sur pas mal de monde. Je suis bien content de finir deuxième sur une mêlée générale sur Code 4 PC. Alors on se retrouve sur Call of Duty MW2 For Delta One. Alors For Delta One, qu'est-ce que c'est? C'est une extension gratuite, mais pour uniquement les joueurs qui ont acheté MW2 PC, je le précise. Donc une extension avec pas mal de modes nouveaux, frais, vraiment sympa. Alors on se retrouve sur iSnipe, sur la map Quarry, avec comme mode le mode iSnipe, tout simplement en recherche et destruction ou cherche and destroy, appelez ça comme vous voulez. Alors quand je viens automatiquement, il me donne directement une intervention avec chargeur de grande capacité, avec vraiment pas mal de balles au cas où si je suis pas très fort, ce qui est le cas. Alors ce sera une petite R&D assez sympathique. Donc c'est un serveur français, je vous mettrai l'IP dans la description si vous voulez jouer un petit peu avec lui français en R&D et dans le mode e-snipe. Alors je vais un petit peu présenter ce mode, j'ai envie de vous dire. Alors vous commencez automatiquement avec l'intervention et quand même secondaire le Deagle ou le Desert Eagle doré, ça dépend. Avec aucune balle, donc il vous sert un peu à rien à part pour rusher. Et belle action, là je l'avais vu l'ennemi, j'ai pas voulu faire l'idiot, j'ai voulu jouer tactiquement et je l'ai eu tout simplement. C'était un petit peu ma tactique, voilà. Alors j'étais en train de dire que je jouais avec ces armes là. Ensuite nous avons un couteau de lancer que nous pouvons utiliser, qui tue les ennemis bien sûr, ça c'est logique. Voilà.
Alors, quand vous visez plus de 3 secondes, bah le viseur s'enlève. Donc, en gros, vous avez le droit que de quickscoper, de flashscoper et de noscoper. Sur certains serveurs, le noscope n'est pas accepté. Il faut que vous fassiez 3 noscopes sur la même personne pour le tuer. Donc, c'est pas très très sympa, mais bon, sur ce serveur-là, il n'y a pas ça, donc c'est parfait. Alors, dans ce gameplay-là, je vais assez jouer tout le temps, faire le même rush, on va dire, toujours aller au même endroit, les contourner tout simplement. Alors, vous allez me dire, ouais, mais des fois, ils vont savoir, bah, quand ils vont savoir que je vais toujours faire le même rush, je vais changer de rush tout simplement. C'est assez logique, j'ai envie de vous dire, pour les contourner et les avoir plus facilement. Quand je loupe mes quickscopes, comme là, j'en loupe quelques-uns, mais bon. Alors, vous voyez en bas radar, vous voyez 3, 2, qu'est-ce que c'est, vous allez me dire? Alors, c'est le nombre de joueurs restants en vie, tout simplement, ce qui est assez sympa pour qu'on sache combien de joueurs il y a en vie, si on a envie de trickshot, faire le last, etc. Alors, très belle killcam qu'il m'a fait quand même, bravo à lui, une petite dédicace à toi, même si tu ne verras jamais cette vidéo. Alors je compte un petit peu me présenter durant cette vidéo parce que je vais l'envoyer à plusieurs chaînes communautaires. Alors moi je suis un gamer, principalement un gamer PC. Je joue principalement sur Call of Duty MW2 et Code 4. Alors j'ai un petit peu me présenter. Donc moi c'est TutoDany, alias Damien. J'ai 14 ans, je fais des vidéos sur YouTube depuis quelques mois maintenant. Je suis un peu expérimenté on va dire, vite fait. Voilà, alors là on a perdu cette manche, c'est pas top top mais bon. Alors, donc je fais des vidéos sur Minecraft, une aventure suivie qui va bientôt arriver, sur le jeu tant attendu Diablo 3 que je viens de m'acheter à 60€, donc un très très bon jeu, j'ai envie de vous dire au passage, et enfin une série sur Call of Duty, donc cette série que je viens juste de commencer, Call of Duty PC et ses modes. Alors là, j'ai bien contourné l'ennemi et je l'ai eu parce qu'il faisait que camper ici parfois, donc c'est bien fait pour toi. Là, je vais me faire avoir assez bêtement parce que j'avais oublié que le viseur s'enlevait, mais bon. Donc, alors le A-Snipe et le Sniper Only, ça vous permet de vous améliorer un peu en niveau quickscope, au niveau flashscope et niveau noscope. En gros, vous vous améliorez un petit peu plus au sniper. Alors, je sais que les gameplays sont pas exceptionnels parce qu'il y a vraiment très beau gameplay, mais moi je suis pas là pour le gameplay, je suis plus là pour vous présenter, vous faire découvrir quelques modes qui sont très peu joués ou très peu connus par la communauté tout simplement. Alors j'espère quand même que l'introduction que j'ai faite moi-même avec les deux trailers de Code 4 et de MW2 vous auront plu. J'ai essayé de faire un truc assez bien on va dire pour rendre agréable la série. Voilà. Alors là, je vais pas mal bien contourner l'ennemi et jouer assez intelligemment. Je vais avoir du mal à le tuer, mais bon. Alors, il y a aussi un système. Si on reste plus de 6 secondes inactif, en gros, ils vont croire que vous campez si vous bougez pas. Donc, vous allez vous faire tuer ou vous faire virer automatiquement. Je trouve que c'est assez bien. Comme ça, personne n'a le droit de camper. C'est vraiment, vraiment pas mal comme idée. Merci à vous qui avez créé ce truc. Donc là, je vais l'avoir assez facilement. Je vais faire la killcam. Alors, la dernière killcam de la partie va être assez belle, faite de moi. Donc voilà, je dis-moi ce que vous en pensez tout simplement. Voilà, alors il y a aussi la FOV dans ce gameplay, le Field of View. Sauf que cette fois-ci, la FOV est mise automatiquement. C'est pas moi qui l'ai mise. Donc voilà. Mais je pense que vous pouvez l'enlever. C'est facile. La FOV, c'est 60, la normale, ou 65. Et la maximale, c'est 90. Voilà. Si je me souviens bien. Alors, si je bégaye un petit peu et tout, excusez-moi. Alors, je vais vous dire quelque chose durant cette vidéo. Essayez de me donner beaucoup de conseils. Si vous êtes des gamers PC, dites-moi ce que je pourrais faire comme mode. Ensuite, dites-moi ce que je pourrais améliorer dans mon commentary. Ce que je pourrais améliorer, arrêter de dire et tout. Tout simplement. Alors là, je vais jouer vraiment pas mal intelligemment. Je vais à la cour. Me cacher puis revenir et le tuer tout simplement. Je trouve que c'est assez bien, on dit pas non à un petit frag gratuit. Alors là on va finir sur une assez belle killcam de ma part. Je vais lui balancer un couteau et je vais mourir en même temps. Ça fera une assez belle killcam pour ma vidéo tout simplement, j'ai envie de vous dire. Donc j'espère que cette vidéo consacrée à Call of Duty PC vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter et à l'aimer si elle vous a plu et à faire un tour sur ma chaîne. Voilà. Ma chaîne est consacrée aux jeux vidéo. Allez, moi je vous dis, bye tout le monde.